frérot. J'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars. Aujourd'hui, je comptais le skip. Cette putain de vidéo, ce putain de personnage, je comptais le skip. Je n'en peux plus, gros, des Naruto. C'est le 64e Naruto du jeu, j'en ai marre. Mais on me l'a un petit peu demandé sur Snap et même en live. Je me suis dit, écoute, aujourd'hui, j'avais pas prévu de vidéo, on va se le faire. On va se le faire, mon gars, vous allez voir mon avis en même temps dans cette vidéo, parce que je ne l'ai toujours pas lu, le personnage, je vais le découvrir là. On va le juger. Et les frères, une petite seconde, je compte sur vous, les gars, pour matraquer les pouces bleus sur cette vidéo et à mettre le petit commentaire pour le référencement. Parce que les vidéos NXB, en ce moment, c'est la crise, clairement, on l'a vu sur la dernière vidéo, le Kizame. NXB, c'est de pire en pire, c'est de plus en plus mort. Après l'anniversaire, la chute de la hype, mais descend chaque année de plus en plus vite. C'est fou, mon gars. C'est terrible, c'est de pire en pire NXB. Alors voilà, si vous voulez plus de vidéos NXB, les gars, matraquez bien les pouces bleus, envoyez un petit peu de puissance. Allez, on est parti. On va regarder ce personnage du chétan. A votre avis, il y en a combien des Naruto sur le jeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12, frère. Et sur les 12, mais tu peux supprimer le dernier. Naruto enfant, il n'y avait pas besoin, tu peux le supprimer. Celui-là, tu peux le supprimer. Chakra mode, tu peux le supprimer. On s'en bat les couilles. Franchement, oh, ils ont exploité le truc à 1000%, quoi. Hein. Vraiment, c'est terrible. Il y en a 800 000 des Naruto. C'est trop, ils ont craqué. Allez, on va regarder ça un petit peu. Bon, le step-up, je pense que c'est un truc assez classique. Oui, totalement. Première multi à 250, c'est pas cher. Mais pour un perso qui, je pense pas, je m'attends pas à grand chose. Allez, on va voir ça un petit peu, je vais pas trop juger à l'avance. Bon, le X-Boost. Le X-Boost, c'est ce qui va infliger la confusion en ignorant l'invincibilité de l'adversaire. Il va aussi réduire son ninjutsu cooldown time. Ok, et le reste, il n'y a pas d'invincibilité ou quoi. Là, il y a quoi? Le dernier, c'est aussi ninjutsu cooldown time pour toute l'équipe. Ok, ensuite, il va baisser grandement le chakra. Confusion sur un movement, ok, il y a pas mal de ninjutsu cooldown time pour l'instant sur ce jutsu, il a aussi dans l'effet de base du jutsu, mais c'est l'invincibilité de l'adversaire de 2 secondes, l'invincibilité pour tous les alliés dans la zone, ça c'est toujours très bien d'avoir, même sur l'attaque ultime ou quoi, l'invincibilité pour toute l'équipe, c'est sympa, augmentation de l'attaque, le taux de crit, l'évasion, là il y a un petit truc un petit peu nouveau, c'est quoi, il va augmenter les dégâts, nanana, désiré d'improvement, on sait pas trop ce que c'est, nique sa race. Au level 8, la durée de l'invincibilité augmente, ok, ok, bon. Et en plus, level 15, elle augmente encore, donc j'ai l'impression que si tu la mets level 15, tu peux avoir une très grande invincibilité. Mais est-ce que c'est intéressant de mettre un personnage comme ça, sans une attaque ultime level 15? Je n'en suis pas sûr. On va voir le reste du jutsu si c'est un personnage absolument excellent. Mais bon, vaut mieux prioriser vraiment les gros persos pour les mettre P15. Et en tout cas, il n'a pas le fait qu'il revienne à la vie dans son attaque ultime, ni même dans le X-Boost. Et ça, c'est quand même la chose la plus importante sur une attaque ultime, donc c'est dommage. Mais bon, il a quand même une petite invincibilité, donc l'effet n'est pas dégueulasse du tout. On va voir un petit peu la portée. L'effet n'est pas transcendant, c'est pas le meilleur truc du jeu, mais c'est tout à fait correct. On va voir maintenant un petit peu cette portée. C'est parti. Ouais, petite explosion et tout à la fin, ok, c'est sympa. C'est pas un guide crash en tout cas. Bon, c'est du classique, c'est pas trop mal. C'est pas nul, mais c'est pas non plus incroyable. C'est pas mal, c'est pas mal, ça va. La portée est validée, mais bon, il n'y a pas de guide crash. Mais tout de même, il y a l'invincibilité pour toute l'équipe. Ça passe, ça passe. On a connu pire, mais on a aussi connu bien mieux. Ensuite, continuons. Mais quand tu invoques, il faut vraiment invoquer sur le top du top. Et si le personnage n'est pas incroyable, oufissier, ben, faut pas invoquer. Allez, on est parti. Là, limite break. Voyons voir un petit peu. Il va baisser l'invincibilité de l'adversaire de 3 secondes. Ok, l'immunité au statut de 10 secondes. Ok, c'est un truc assez classique, mais c'est un bon petit effet quand même. Alors, ensuite, l'effet classique du jutsu. Il va infliger le seul mouvement, un effet médium. Il y a toujours ce petit truc, là. Grant the user desired improvement effect. Bon, on sait pas trop ce que c'est. C'est un petit peu comme il y a déjà eu sur certains personnages. Bon, il doit avoir un genre de petit aura peut-être autour de lui, un petit effet propre à lui. Bref, cet off trap, voilà, ils en reparlent encore là. Son truc activate, ok, ok. Donc en gros, c'est un jutsu. J'ai l'impression qu'il va activer son désiré d'improvement. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Au level 3, il va infliger confusion, d'écraser de la défense. Ok, la résistance aussi au type classique. Il va annuler l'augmentation de stats de l'adversaire, réduire le ninjutsu cooldown time pendant une petite heure. Il y a pas mal de petits effets quand même, le jutsu n'est pas mauvais en tout cas, il y a pas mal de petits trucs. Level 8, ça va durer plus longtemps, ok. Est-ce qu'il y a un petit effet en plus? Il va réduire les dégâts reçus de 30% pendant une petite période et décrase dommage for alliés on the same floor. Donc je pense que ça c'est pareil, il va baisser les dégâts que vont prendre les alliés pendant une petite période, un effet small. Ok, c'est pas dégueulasse non plus, je pense pas qu'on est sur un personnage mauvais.
Mais je pense pas non plus qu'on est sur un personnage transcendant, tu vois, pour l'instant ça part pas, on se dit pas oh là là, un personnage incroyable, transcendant. J'ai pas vu d'invincibilité sur ce jutsu, hein. Je crois pas qu'il y a l'invincibilité. D'accord, oh pas mal après, ok sympa. Au début je me suis dit bon c'est quoi cette arnaque, c'est un petit peu, ça fait un peu vieux jutsu, tu sais. Mais après c'est stylé. Il va exploser, belle, franchement stylé. Franchement ça va. En plus celui-là du coup c'est un genre de guide crash. S'il n'y a plus le portail qui retient la final room, ça peut faire un genre de guide crash. Tu l'envoies, t'attends un peu, tu rentres. Ouais, ils se le prennent. En plus, c'est un set of trap celui-là. Ça va, ce jutsu a un vrai petit potentiel. Ce jutsu est vraiment pas trop mal. Juste, il n'y a pas d'invincibilité par contre. Ça, c'est dommage. Hein. Pour l'instant, on peut vraiment pas dire que le personnage est mauvais, que le personnage est dégueulasse. Clairement. Mais bon, on peut pas non plus dire que le personnage est très très bon. Il est correct. Correct, sympa pour l'instant. Mais attends, on n'a pas terminé. Je vérifie qu'il n'y avait pas écrit Invincibility. Ça, c'est vraiment dommage quand même. Hein. Aujourd'hui, il y a tellement de personnages qui sont full Invincibility. Et pour l'instant, il n'y en a aucune. Hein. On va regarder les deux dernières 4 étoiles. Donc, il va grandement baisser le chakra de l'adversaire. Ça, c'est devenu un petit truc un petit peu classique. Maintenant, c'est un petit peu la méta. Tous les nouveaux personnages ont ça, surtout leur jutsu, qui vont baisser grandement le chakra de l'adversaire. Il va régénérer son chakra pendant une petite période. Ouais, il y a encore le truc de son genre d'aura. Ça doit être un genre d'aura propre à lui, Desired Improvement. Ok. Event, jutsu, daughter cause damage. Level 2, il augmente la défense. Level 3, il va baisser l'évasion de l'adversaire, s'augmenter son attaque, le taux de crit. Ah, invincibility cette fois. On a une petite invincibility que pour lui. Il n'y a pas écrit que c'est pour l'équipe. Il peut pas subir de statut pendant une petite période quand il est level 6. Et ok, il va baisser la défense de l'adversaire grandement. Et quoi, by this jutsu will no longer be affected by stat increase negation. J'ai l'impression que si jamais by this jutsu will no longer be... J'ai l'impression qu'il n'est pas affecté ce jutsu par l'annulation d'augmentation de stats. Mec, c'est de plus. Ils font des jutsu, frère. Ils changent un petit peu les. Ils rajoutent des petites nouveautés, mais des nouveautés qui viennent complexifier le jutsu, qui rajoutent du texte. Mais je trouve qu'ils rajoutent du texte tellement inutilement. Regarde comment maintenant les trucs sont longs. Ils te rajoutent des petites nouveautés qui, au final, on voit, dernièrement, ils ont encore rajouté des nouveautés qui, en plus, maintenant, ne servent tellement plus à rien. Parce que les personnages sont tellement tous cheatés, ils sont tous là, oh là là, full invincibility, et bam, je t'annule ton augmentation de statistiques. Puis l'adversaire, oh là là, je suis immunisé à l'augmentation de stats. Puis je te scelle, mais non, je suis immunisé au scellement. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point maintenant, mais les effets sont pratiquement devenus inutiles. Genre, tous les personnages infligent des effets, mais tous les personnages sont immunisés aux effets en partie, tu vois. C'est terrible, franchement. Le PVP, franchement, moi je suis plus jamais scellé, plus jamais paralysé, plus rien. C'est juste le premier fils de pute qui fait son attaque ultime qui gagne, en fait, c'est tout. Toutes ces longues lignes d'effets qui sont maintenant, je trouve, tellement inutiles, en fait. Tu fais ton attaque ultime et bam, c'est réglé. Il n'y a plus de scellement, il n'y a plus de paralysie, il n'y a plus de tout ça. C'est vraiment, hein, c'est devenu ça, hein, réellement. On va regarder le jutsu, la portée. Je trouve, ça fait, bon, ça fait un moment maintenant, ça fait une bonne année, je dirais. Avant même, un petit peu avant la sortie des 6 étoiles. Mais le jeu est tellement parti en couille. Il y a tellement trop d'effets, tellement trop de personnages qui t'épètent. Il y a trop de choses. C'est devenu du n'importe quoi, mon gars. Alors autant, quand j'ai commencé le jeu, t'avais des jutsu qui n'avaient même pas d'effet. Il y avait des jutsu, frère, c'était juste une animation, il n'y avait aucun effet. Mais c'est quoi le mieux au final? C'est des jutsu qui n'avaient aucun effet, mais une animation sympa. Ou maintenant tous les jutsu qui sont complètement cheatés, qui font tous les effets du jeu, full invincibility, et les personnages en face, pareil. Je sais pas si vous vous rendez compte, dites-moi un petit peu votre avis sur ça, mais c'est devenu n'importe quoi. Tous les personnages sont devenus cheatés, je vais me répéter un petit peu, mais tous ils ont des invincibilités, tous ils ont des trucs qui annulent l'invincibilité de l'adversaire, tous ils ont du scellement et des trucs qui annulent le scellement, des augmentations de stats mais qui annulent les augmentations de stats, tout ça. C'est devenu n'importe quoi, en fait, tu vois. Il y a même plus de stratégie. Il y a plus aucune stratégie, gros. Tu spams tes jutsu. Tu sais même plus exactement quel fait quel jutsu, parce que tous les jutsu ont tous les mêmes effets à peu près. Mais tu sais que de toute manière, l'adversaire a des trucs qui vont contrer les effets de tes jutsu. Donc, il y a plus de stratégie. Tu te dis pas, je vais faire ce jutsu pour lui infliger tel effet, parce que tous les personnages du jeu, de toute manière, en face, peuvent être immunisé à cet effet ou se soigner juste après. Du coup, en fait, ça n'a plus aucun intérêt. Juste, t'es là, tu spams tes jutsu, tu dis, vas-y, Inch'Allah, ça passe. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi.
c'est vrai que je m'exprime sur ça dans cette vidéo, mais ça fait très très... J'en ai rapidement parlé sur d'anciennes vidéos, mais ça fait très 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 longtemps que c'est le cas. Et c'est devenu n'importe quoi, mon gars, c'est devenu n'importe quoi. Là, c'est pas spécialement propre à ce personnage, hein, vraiment pas. C'est que c'est devenu partout, comme. Et c'est un peu la continuité de tout ça qui me fait, là, un petit peu craquer dans cette vidéo et expliquer ça. Mais c'est le cas depuis longtemps, depuis très 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 longtemps. Et là, le surenchérissement avec les personnages 6 étoiles qui arrivaient, ça, c'était une très mauvaise nouveauté, en vrai, les 6 étoiles, très 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 mauvaise. C'est parce qu'ils étaient arrivés au bout, Namco. Ils savaient plus quoi faire, ils savaient plus quoi sortir, ils seront eux-mêmes retrouvés dans une impasse. Mais tu vois bien que ça fonctionne pas, parce que là, malgré l'anniversaire, avant même qu'il soit terminé l'anniversaire, il n'y avait plus aucune hype. Le jeu, il court vers la fin, c'est... Le jeu court à sa fin tout seul. Moi, ça fait longtemps que j'avais dit... Une nouveauté qui serait sympathique, qui apporterait un vrai renouveau, ça serait un genre de mode éveil. Un petit peu pour ceux qui connaissent les Naruto Storm 4, Storm 5, Storm 3, etc. Sur les jeux, il y a certains personnages qui ont un mode éveil. Je trouve que ça, ça serait une nouveauté qui apporterait un vrai renouveau à NXB. Mais là, leur bail de, oh là là, on va passer les personnages 5 étoiles, 6 étoiles, avec des link boards encore plus cheatés, encore plus de statistiques, des jutsu encore plus cheatés, avec encore plus d'effets, non. Non, faut arrêter. C'est devenu le bordel, c'est devenu n'importe quoi. En vrai, ils devraient complètement faire une refonte du jeu. Ils ont trop fait de conneries, parce que là, même s'ils te créent un mode éveil, il y a trop de bordel. C'est trop n'importe quoi. C'est beaucoup trop les jutsu, c'est trop abusé. Ils sont allés trop loin, ils sont allés beaucoup trop loin. Donc même s'ils font un mode éveil qui, je trouve, avant que les 6 étoiles arrivent, ça aurait été très bien un mode éveil, je pense que même ça arrive maintenant, c'est beaucoup trop, c'est n'importe quoi, c'est trop le bordel. Bref, allez, on va regarder ce dernier jutsu. Donc il va ignorer les résistances, on va repartir encore pour un jutsu long en termes d'effet, guette-moi ça. Très long, mais combien d'effets réellement utiles au final sur ça, vu que tous les personnages sont immunisés à tout à peu près. Donc il va ignorer les résistances de l'adversaire, grandement baisser le chakra de l'adversaire. Infligé, confusion, paralysie, darkness, low movement, donc 2 effets parmi tout cela. Baisser l'invincibilité de l'adversaire 2-3 secondes, tu vois, c'est bon. Détecteur de trappe, ok, augmenter les dégâts quand il est sous Desired Improvement Effect, là. Rototo de la luck, Increased, ok, il va augmenter les dégâts sur les personnages qui sont confus ou sous slow movement, augmentation des HP, augmentation du speed, enfin tu vois frère, c'est... Mais, je sais pas si vous vous rendez compte maintenant dans les vidéos analyse de personnages comparées à l'époque, mais en fait, je te lis les jutsu et t'as tous les effets du jeu pratiquement dessus, tous les personnages ont tous les effets du jeu, c'est devenu n'importe quoi. Mais moi je vois plus aucun slow movement, plus aucune paralysie, plus aucun scellement en game, parce que tous les personnages sont immunisés et tout, c'est devenu n'importe quoi, c'est vrai, je vais me répéter là, donc ça sert à rien. Ok, allez, on va regarder la portée, vraiment dites-moi un petit peu votre avis sur ça. C'est tellement devenu n'importe quoi, et je pense que ceux qui connaissent le jeu depuis pas très longtemps ne peuvent pas forcément se rendre compte, mais vraiment les anciens qui malheureusement la grande majorité ont arrêté le jeu, les anciens, oh là là, mais gros, mais en plus se foutent de notre gueule, ce jutsu il est déjà sur le jeu, c'est une réédition, c'est vraiment une réédition, il y a juste le petit effet là à la fin, je crois celui-là il n'était pas sur l'ancien jutsu, il y a un Naruto qui a déjà un jutsu comme ça, c'est Naruto, Naruto 7ème Hokage il me semble qu'il a. Bon, ok, voilà, bon. Après, écoute, il y a de la portée, il y a une portée, voilà, il y a des trucs sympas. Bon, je donnerai même pas un avis final, au final, sur le personnage, parce qu'on peut même plus donner d'avis. Tous les personnages se ressemblent, tous les personnages sont cheatés, tous les personnages ont plein d'effets. Bon, le personnage n'est pas mauvais, mais il n'est pas non plus incroyable, voilà, c'est ce que je dirais pour la fin. Après, est-ce qu'il faut invoquer dessus? Non. Il y a beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup de bien meilleurs personnages à attendre et tout, parce que c'est un gacha, et plus tu attends, plus les personnages sont cheatés. Vraiment, en tout cas, voilà, en tout cas, pour cette vidéo, dites-moi un peu votre avis, non pas sur ce personnage, je m'en bats les couilles, mais plutôt sur le petit truc où j'ai fait un petit coup de gueule dans cette vidéo, où pour moi, vraiment, c'est parti en couille. Il y a trop, trop, trop d'effets, c'est devenu n'importe quoi. Et le gagnant, c'est le premier fils de pute qui fait son attaque ultime, c'est tout. NXB, là, j'y passe tellement peu de temps chaque jour, voire même pas chaque jour, en fait, hein. Il y a des jours que j'y joue même pas. Que là, mon gars, je me suis rendu compte que j'ai chuté à 1600 Honor Point. Et je me suis même pas rendu compte, gros, que du coup, pendant 4 semaines, je n'ai pas joué NXB. Pendant 4 semaines, je n'ai pas fait d'attaque mission, gros. Pendant 4 semaines, je ne m'en suis même pas rendu compte. C'est pour te dire à quel point là, vraiment, je m'en bats les couilles. À quel point, vraiment, c'est terrible, là aussi, pour moi, le jeu NXB. Je m'en suis absolument pas rendu compte. Ça m'a absolument pas manqué. Bref, voilà les gars, pour cette petite vidéo qui, du coup, au final, n'aura duré assez longtemps. Mais bon, on a regardé le personnage, j'ai beaucoup parlé. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi un petit peu tout ça en commentaire, en tout cas. Kiffez bien la vie, les frérots. Portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.